C'est un bilan qui a été imposé par les événements, puisque très rapidement, la question de la sauvegarde de l'intégrité du Mali s'est posée avec les djihadistes. Et donc, il a pris une décision extrêmement importante pour l'avenir. Donc, ça a été, je veux dire, sa grande œuvre. Pour essayer de chasser les djihadistes du Nord Mali, beaucoup ont reproché à François Hollande d'avoir fait alliance avec le régime autoritaire du tchadien Idriss Déby. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la question qui se pose pour les dirigeants africains, quelle qu'a été leur qualité, c'est le temps, l'usure dans le pouvoir. Et effectivement, je crois qu'il faut des pays de droit en Afrique et non des tyrans, même si ce sont des tyrans éclairés. Mais un tyran éclairé, au bout d'un moment, il perd la vue. Donc c'est plus du tout un tyran éclairé. Et la France, alliée de ces États, doit avec fermeté dire, écoutez, nous avons besoin de votre force et nous avons besoin pour votre force de la liberté de vos peuples.